Alors, bonsoir, ici André Pronovo, membre du conseil d'administration du chapitre Fort Saint-Jean. Ce soir, j'ai l'opportunité de discuter avec vous, de vous présenter un webinaire sur l'inflation et ses conséquences. Actuellement, on voit que beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'inflation, on en parle beaucoup. Et comme vous le savez, la préoccupation actuellement de notre population est vraiment virée vers l'inflation. Alors, certains diront que c'est comme un virus qui a des incidences au niveau de l'insécurité des gens, mais aussi un impact financier important. Pour présenter ce webinaire, nous avons divisé ça en trois volets. Le premier volet qui parle de l'inflation, c'est que veut dire l'inflation? Pourquoi qu'on a l'inflation aujourd'hui? La deuxième partie, nous parlerons de l'impact de l'inflation sur le comportement de la société. Comment que les gens se sentent au niveau de la société? Comment qu'ils vivent l'inflation? Et jusqu'à quel point ça peut les affecter dans le futur? La troisième portion, c'est la possibilité d'avoir des questions. Alors, on aura des questions visuelles, donc en direct, et aussi des questions écrites que nos invités auront l'occasion de discuter avec vous et de présenter ce qu'ils en pensent. Pour ce faire, nous avons trois invités chevronnés. Le premier, le Dr Sylvain Charlebois, qui est professeur titulaire et aussi directeur du laboratoire en recherche agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Il a aussi écrit plusieurs articles d'importance, mais aussi il est chroniqueur dans plusieurs médias, dont la presse. La deuxième personne à qui je fais référence, c'est le docteur Marc Dauphin. Marc est un médecin à la retraite, mais qui a commandé un hôpital militaire à Kandahar, mais aussi est un conférencier dans le domaine du stress et tout ce qui s'appelle le post-trauma. Et finalement, on a Martin, M. Martin Laferrière-Simard, qui est un travailleur social qui travaille auprès des vétérans de la réserve, de la milice et d'autres organismes, qui pourra aussi discuter avec vous sur la façon dont les questions lui arrivent, de quelle façon que lui peut aider. Et tout ça va nous amener à comprendre le cheminement des gens au niveau de leur stress, de leur insécurité, de leur anxiété, puis qu'est-ce qu'on peut faire. À la dernière partie, on couvrera donc des questions qui sont écrites, comme je disais, et en direct. Alors, pour commencer, nous débutons avec le docteur Sylvain Charlebois. Allô, Sylvain. Bonsoir. Et une première question était concernant l'inflation. C'est un contexte. On sait qu'actuellement, l'inflation aujourd'hui, ce n'est pas comme les anciennes inflations. Ça a vraiment un contexte exceptionnel. Comment pouvez-vous le qualifier, ce contexte-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'inflation que nous avons est si brutale? Et ça va aller dans le temps, évidemment. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, d'abord, merci pour l'invitation, M. Pronovo. J'apprécie d'interchanger avec les gens les anciens du collège. Ce qu'on vit actuellement, c'est pas simple à comprendre. Il faut reculer un peu en arrière. Notre laboratoire, en passant, à Dallas, c'est ce qu'on fait. On surveille l'inflation, on surveille les prix alimentaires. Et ce qu'on vit actuellement, c'est assez hors de l'ordinaire. Là. On a un contexte inflationniste aigu. On parle de récession. Malgré cela, il y a un manque de main-d'œuvre. C'est vraiment un contexte particulier. On n'a jamais vécu ça depuis le début des temps, là, vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va reculer un peu en arrière. Pour ce qui est de l'alimentation particulièrement, il faut apprécier le fait que, bon, les changements climatiques vont toujours être une constante. Sans être une constante, les changements sont une constante parce qu'à chaque année,
les changements climatiques vont perturber les récoltes un peu partout dans le monde. L'année passée, c'était le Canada qui a goûté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, André, là, vraiment, la récolte a été anémique au Canada, aux États-Unis. En Russie même, il y a eu des inondations en Allemagne. Alors, on a débuté l'année 2002 avec des inventaires qui étaient sous la normale. Donc, ça, c'est un facteur important. Le deuxième facteur, c'est la pandémie. La pandémie a vraiment affecté l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. Les gens se demandent ben, pourquoi que les chaînes d'approvisionnement coûtent plus cher, pourquoi que les aliments coûtent plus cher. C'est parce que les chaînes d'approvisionnement sont moins efficaces. Et pour les gens qui ont une formation en logistique, ils vont bien comprendre que lorsqu'on regarde l'économie du monde et lorsqu'il n'y a aucune synchronisation entre les économies du monde et que le virus affecte la Chine, ensuite l'Europe, ensuite l'Amérique du Nord et tout ça, bien, c'est toujours difficile de planifier à l'avance. Et ça, il y a des retards, il y a un manque de main-d'œuvre et tout ça. Et tout ça fait en sorte que, évidemment, ça coûte plus cher. Il y a le coût énergétique, évidemment, qui a été affecté depuis 2 ans. Le diesel, le pétrole coûte plus cher. Le troisième facteur qui nous a mené à ce qu'on vit actuellement, bien, c'est la guerre. La guerre en Ukraine, qui a débuté il y a plus de 100 jours. Malheureusement, les denrées agroalimentaires coûtent beaucoup plus cher parce que cette région-là du monde, c'est le grenier, pas juste de l'Europe, du Moyen-Orient, une partie de l'Afrique. L'Ukraine seule nourrit 400 millions de personnes par année. Alors, lorsqu'on pense à notre cycle de production actuel, qui est de 90 jours, qui inclut l'Amérique du Nord et l'Europe, bien, c'est certain qu'on entame un 90 jours en sachant déjà qu'en septembre-octobre, il va y avoir un déficit. On ne va pas avoir suffisamment de nourriture. Donc, le monde est à peu près à 10 semaines là, actuellement là, de manquer de nourriture finalement. Donc, la situation n'est pas simple. Et le dernier élément, évidemment, qui se passe actuellement, qui fait encore une fois gonfler les prix, c'est ce que j'appelle le phénomène du protectionnisme national ou nationaliste. Ce sont des pays qui paniquent, qui décident de garder la nourriture pour eux. On l'a vu avec la Malaisie la semaine passée avec le poulet. Il y a 2 semaines avec l'Indonésie et le blé. Donc, plus qu'on garde la nourriture pour nous, moins que le commerce international, ben plus que l'inflation va être un facteur partout dans le monde, incluant le Canada. Alors, on y goûte pas mal en raison de ça. Et c'est un contexte qu'on n'a vraiment jamais vécu auparavant. Là. D'accord. Donc, si je comprends bien, tous ces contextes-là, tous ces variables-là font en sorte que l'alimentation est difficile à avoir. Plus, ce qu'on peut mettre par-dessus ça, en fait, c'est la question des coûts de production et de la disponibilité des produits fertilisants. Une grosse partie des fertilisants qu'on avait, mais là, ne sont plus disponibles. Alors, donc, on est rendu avec des cultivateurs qui ont de la difficulté à avoir des fertilisants, puis des cultivateurs qui ont de la difficulté d'aller dans le champ parce que ça coûte trop cher, puis on a aussi les mauvaises conditions environnementales qui fait que peut-être que cet été, ça va être encore pire. On ne sait pas. Mais une chose certaine, c'est que tout ce qui concerne l'alimentation qui vient du besoin en fertilisants ou encore en production, avec les tracteurs et tous les équipements qui ont besoin de pétrole, ça, c'est déjà entamé, c'est très difficile. Tous les pays ont en arrache. Ah oui, ben en fait, l'ensemble des intrants coûte plus cher. Quiconque est dans le domaine de l'agroalimentaire va payer plus cher pour n'importe quoi actuellement. Donc, et puis l'accès à toutes sortes de choses, et j'inclus l'emballage, les choses qu'on ne mange pas, là, les choses qu'on a besoin pour la nourriture, c'est très difficile. On s'en parlait avant le webinaire, le secteur d'automobile est lourdement frappé par le fait que les chaînes d'approvisionnement sont un problème. Effectivement. Puis aussi, il ne faut pas oublier la pandémie. La pandémie, actuellement, il reste quand même que beaucoup de personnes qui sont affectées par le virus. Oui, on a libéré les gens, on leur a dit, bon, ben maintenant, on revient comme c'était avant. Il reste quand même qu'une grande portion de la population qui, actuellement, ne vont pas travailler parce qu'ils sont atteints. Ils sont malades.
Alors, si vous avez une entreprise de 100 personnes, à titre d'exemple, puis que vous avez déjà, je ne sais pas moi, 8 personnes qui ne sont pas rentrées parce qu'ils sont malades, bien, je peux vous dire que dès le départ, c'est très, très difficile pour la production parce que là, tu cours toujours après quelque chose. Puis en plus de ça, le contexte de manque de main-d'œuvre, puis le fait que les gens peuvent changer facilement d'un job à l'autre, ça rend les choses complexes. D'où on le voit actuellement dans les restaurants. Les gens au restaurant, ils ferment parce qu'ils ne sont plus capables. Ils ne sont pas capables d'avoir la nourriture, ils ne sont pas capables d'avoir le monde, ils ne sont pas capables de regarder. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est particulier avec le domaine agroalimentaire, puis peut-être que les gens ne le savent pas, là, c'est que lorsqu'on perd beaucoup de monde en même temps, là, il y a des pertes alimentaires. Il y a des skids, la cargaison qui demeure sur les quais trop longtemps, dans les camions trop longtemps. Et puis, il y a beaucoup, énormément de pertes parce qu'on a des biens périssables. Souvent, en agroalimentaire, ce sont des biens, des ingrédients périssables. Alors, on les perd. Et ça, ça contribue encore une fois à l'inflation. Omicron, ça a été le pire variant en décembre, janvier. Là. On voyait des entreprises opérer avec 25 % de moins de personnel, mais il y a eu énormément de pertes à l'époque. Ah, terrible. Et quand on regarde tout ça, on parle de tous les phénomènes, appelons-le quasiment naturels. C'est-à-dire, c'est un état de choses. La pandémie, c'est ça. Le pétrole, c'est un autre facteur. Mais aussi, on en avait une question de l'éthique des multinationales. Et l'éthique des multinationales, ça a l'air de quoi, ça, cette affaire-là? Oui, ça revient souvent. Ça revient souvent. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis à Toronto, on est en réunion. Aujourd'hui, on parlait d'inflation, puis on parlait de l'aspect moral, éthique de l'industrie. Autrement dit, là, bon, il y a l'inflation. L'inflation actuellement au Canada est de 9,7%. Puis on va probablement atteindre le 10% éventuellement, là, ça c'est clair. Aux États-Unis, d'ailleurs, on est rendu à 10%. Puis, dans notre laboratoire, là, quand on décortique l'inflation pour plusieurs produits, on est en mesure d'expliquer une partie de l'inflation. Alimentaire, là, je parle. Mais il y a une partie, là, vraiment, André, on n'est pas capable d'expliquer. Puis il y a deux exemples qui me viennent en tête. C'est d'abord les viandes. Les viandes, les prix ont explosé, continuent à exploser, d'ailleurs, depuis décembre. Puis, on ne comprend pas vraiment. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui nous écoutent, des consommateurs qui se posent des questions à savoir est-ce que l'industrie profite de cette vague inflationniste-là pour justifier des augmentations? Et puis, on se pose réellement la question. Alors, pour répondre à votre question, André, je peux vous dire, on ne le sait pas, mais on a des doutes actuellement, vraiment, là, pour ce qui est. Et puis, il faut comprendre que le contexte agroalimentaire est particulier parce que les marges sont habituellement extrêmement minces. Hein? On parle de 1-2 % là. Alors, lorsqu'il y a une vague, des fois, de façon très naturelle, on va en profiter. Mais là, actuellement, avec un taux d'inflation de 9 à 10 %, ça fait mal à beaucoup, beaucoup de monde. Là. Alors, c'est pour ça que le contexte n'est pas pareil. Là. Je regardais, entre autres, un article qui parlait des grandes chaînes de agroalimentaire ici au Canada, puis qui disait que leur profit avait explosé. Oui. La semaine passée, j'étais encore une fois à Toronto, puis Éric Laflèche était là dans la salle. Et puis, Éric Laflèche, c'est le président de Métro. Et puis, on a interchangé ensemble. Et puis, il a reçu un boni de pratiquement 1,2 million cette année pour le rendement de son entreprise. Est-ce qu'il mérite pleinement? Mais ce que je lui ai dit à Éric, je lui ai questionné sur le moment choisi pour verser 1,2 million de dollars quand il y a de plus en plus de gens qui commencent à avoir de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Alors, c'est sûr que il y a une mentalité dans l'industrie en disant ben ces gens-là méritent leur boni, mais on parle de sécurité alimentaire ici. Là. On parle de bouffe, ce qui est différent de vendre des voitures, des T-shirts ou
quoi ça? C'est pour ça que le contexte est toujours particulier en alimentation. Il y a un malaise lorsqu'on entend parler de bunny, lorsqu'on entend parler de surinflation, des choses comme ça. Excellent. Moi, je regardais un autre phénomène qui est au niveau du pétrole. Alors, le pétrole, on sait très bien que les grandes institutions, les grandes compagnies pétrolières, eux, travaillent beaucoup plus en fonction de, ils n'ont pas de frontières. Donc, ils travaillent beaucoup plus en fonction du profit de leurs actionnaires. Alors, le prix du pétrole actuellement, à la hauteur qui est là, puis ça va continuer à augmenter. C'est pas demain la veille. Alors, ça aussi, selon moi, ça a une incidence directe sur l'agroalimentaire. Pas de pétrole ou peu de pétrole ou trop cher, tu ne vas pas dans le champ. Production, elle devient très difficile. Le transport, un transport, un camion qui, tu faisais le plein, mettons, là, 2 mois, 3 mois, qui en coûtait, je ne sais pas moi, 600 $. La même mesure de camion aujourd'hui va en coûter 1500 $ pour faire le même plein. Ouais. Ça, il y a quelqu'un quelque part qui paye la note. Tu ne peux pas juste demander au camionneur de dire, regarde, là, on a un contrat avec toi, là, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Non, non, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Il y a un niveau important de base qu'il faut régler, qui va se régler par la force des choses. Probablement. Ouais. Le coût est violent. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Le coût est extrêmement violent. Les choses changent très rapidement. À chaque jour, on voit, là. Et c'est certain que les consommateurs ont beaucoup de difficultés de s'adapter parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas juste l'alimentation, il y a aussi l'immobilier. Les taux d'intérêt augmentent, les loyers augmentent, tout augmente. Là. Donc, le consommateur est frappé de toutes sortes de façons. Et puis là, c'est pour ça qu'il y a du monde qui commence à étouffer tranquillement, pas vite, malheureusement. Là. On le voit, nous, on travaille avec Banque Alimentaire Canada à Ottawa, puis leur trafic, le trafic de gens qui visitent les banques alimentaires a augmenté de 22 % depuis décembre. C'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Ça. Ouais. C'est beaucoup. Et la pénurie alimentaire, comme on disait tantôt, l'inflation a un impact direct sur la pénurie alimentaire. Moi, je pensais, entre autres, en Ukraine, les silos qui sont remplis de blé ou de céréales, qui sont encore là, là. Ils sont pleins. Ouais. Est-ce qu'on va perdre ces aliments-là, ces céréales-là? Ça va se perdre? Ben, c'est une bonne question. D'abord, on sait qu'il va y avoir un déficit, il va y avoir un manque de blé, d'orge. C'est la base de l'agroalimentaire. Donc, si on pense à nourrir les animaux, tout ça, on a besoin de ces grains-là là, pour faire vivre la planète. On va être en déficit. Est-ce qu'il va y avoir une famine? Oui. Est-ce qu'il va y avoir une crise alimentaire? Absolument. Combien de personnes vont être affectées? Nous, on estime en 220-250 millions de personnes supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Okay? L'Amérique du Nord, pour les gens qui se demandent, bon, est-ce que l'Amérique du Nord est à l'abri de tout ça? Jusqu'à un certain point, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une genre de bulle de sécurité alimentaire en Amérique du Nord. On produit beaucoup de nourriture, mais plus important, ce qui est plus important, c'est qu'on en transforme beaucoup ici en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Alors, on n'est pas aussi affecté par ce qui se passe ailleurs en Europe. Nous, on croit qu'il va y avoir une famine grave en Afrique, nord-est africain, Moyen-Orient, puis certaines parties de l'Europe. Pour l'Amérique du Nord, la vraie question, c'est l'abordabilité alimentaire. L'accès, il va y avoir des problèmes. Là. C'est sûr, là, je suis sûr que les gens qui vont à l'épicerie, on entend parler aux États-Unis, il y a des trous sur les tablettes, mais les magasins ne seront pas vides. Il y a certaines régions du monde où les magasins vont être carrément vides. Au Canada, ce qu'on s'attend, c'est qu'il va y avoir des trous ici et là, mais il ne va pas manquer de nourriture. Le problème, c'est l'inflation. Actuellement, André, je peux vous dire, je pense, nous on croit que si on a utilisé l'analogie d'une partie de hockey, là, on est probablement à la fin de la première période pour ce qui est du cycle actuel d'inflation alimentaire. Donc, vraiment, là, ça va faire mal. Là. Le pire s'en vient probablement. Là. Peux-tu élaborer un peu sur ça? C'est,
Ça me surprend énormément. Là. Il vient à un moment donné que l'inflation était à un certain niveau. Ouais. Mais où on va s'arrêter avec ça, cette histoire-là? Là? Ben, c'est ça, c'est que là, actuellement, on a 9,7%, mais c'est pas tout qui augmente. Chaque section du magasin va contribuer à l'inflation à son tour. Là, actuellement, ce qui monte, là, c'est le lait, OK? C'est les produits laitiers. Il y a les légumes aussi qui sont redevenus un problème. Mais les viandes, pas tant que ça, à part le bœuf. Le bœuf, c'est le gros problème, mais à part le bœuf, ça va quand même pas si mal. Les œufs, c'est stable. Mais ce qui arrive quand on a une crise alimentaire, c'est que le marché des grains va affecter différentes sections du magasin à différents moments sur 12 mois. OK. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça, comme les viandes, là, on risque de voir un autre cycle l'été à l'automne aussi. Les produits laitiers, je ne sais pas si vous avez vu des nouvelles, les producteurs de lait redemandent une augmentation du prix du lait, ce qui va éventuellement frapper le consommateur encore une fois. On l'a vu en février, on va le revoir encore plus tard à l'automne. Alors, tout ça va arriver en même temps, probablement vers l'automne. C'est pour ça que le 10%, le 12%, là, peu importe là, où ce qu'on va arriver, ça va être là pour un bon moment. Là. Entre autres, quand on regarde le prix du fourrage, la nourriture pour le bœuf, la nourriture pour les animaux, ça, c'est en train de monter. La balle de foin que tu payais, je ne sais pas combien l'an passé, a probablement doublé puis triplé. Je m'avance un peu sur ça. Mais le fourrage et la disponibilité du fourrage. Alors, dépendamment des conditions atmosphériques, si tu prends si on prend un été très, très chaud, on a des problèmes de fourrage. Si on prend trop pluvieux, alors qu'on a un autre problème, il faut aller dans le champ, il faut produire dans le champ, ça coûte énormément cher. Transporter un gros tracteur avec tout son agrégat, ça coûte une fortune. Donc, plus de fourrage va faire en sorte que probablement, quand on parlait de pénurie, mais aussi l'effet inflationniste, ben là, ça en est un autre qui s'ajoute. Il y a une autre chose qu'on n'a pas discuté, il y a des produits de base. Donc, je pense à des huiles végétales, comme l'huile de tournesol ou encore de l'huile de palme, qui, apparemment, je sais qu'en Europe, actuellement, c'est très difficile. Là. Mais ça aussi, c'est des produits de base qui sont vraiment affectés, je pense, actuellement. Oui. Non, absolument. En fait, vous mentionnez l'huile végétale, c'est drôle, hein? C'est rare qu'on discute d'huile végétale, là. Mais l'huile végétale joue un très grand rôle dans notre vie, sans s'en apercevoir. Si vous allez à l'épicerie, là, 75% des produits que vous voyez en magasin ont d'huile végétale. Là, actuellement, ce qui se passe avec la situation avec les grains, bien, on croit qu'il va y avoir une pénurie d'huile végétale. Malheureusement, on risque de voir. Donc, l'Indonésie qui a émis un embargo sur l'huile de palme, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont de la difficulté avec l'huile de palme parce que l'empreinte environnementale est un problème, je peux comprendre. Mais l'huile de palme, c'est l'huile végétale la moins chère au monde, de loin, là. Alors, l'huile de palme est dans beaucoup de choses, dans la margarine, Nutella, pâte, peu importe, là. Donc, c'est pour ça que l'huile de palme est un ingrédient qui est super utilisé dans l'industrie parce que ça coûte pas cher. Puis en plus, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec l'huile de palme. L'huile de palme adopte toutes sortes de goûts très facilement. Alors, il est très malléable comme ingrédient. Okay. Et ça va faire en sorte qu'il va y avoir une pénurie d'huile de végétale. Et ça pourrait empêcher certaines entreprises de fabriquer d'autres produits comme des biscuits, craquelins, pâtes alimentaires, etc. Alors, ils vont soit reformuler leurs produits ou ils vont cesser de produire peu importe ce qu'ils font. Là. Donc, on le voit actuellement, les compagnies comme Mondelez, Procter & Gamble, Nestlé, toutes ces entreprises-là, vraiment, s'assurent d'avoir suffisamment d'huile végétale pour les prochains 12 mois. Donc, eux autres, en magasin. Ah oui, absolument. Là, ils stockent eux autres, puis le restant, ben, regarde, chacun pour sa poche, ni plus ni moins. Mais qui sont les grands producteurs des huiles actuellement dans le monde?
Ben, il y a l'Ukraine. L'Ukraine pour l'huile de tournesol, c'est l'Ukraine. Et l'huile de tournesol, c'est un gros produit. Mais il y a l'huile de canola qui est produite au Canada. Mais vous savez, André, l'année passée, là, ça a tellement mal été au Canada pour ce qui est de la sécheresse qu'on a dû importer du canola au Canada. Puis je ne sais pas On si n'est vous pas savez, du le tout canola, là, quand vous promenez à travers le monde, le canola s'associe au Canada. C'est l'acronyme Canada Oil, canola. OK. Et ça a été créé au Canada, donc on en produit beaucoup au Canada. Mais l'année passée, il y a eu un déficit en raison des sécheresses. Alors, c'est pour ça que pour l'huile végétale, là, il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'il n'y a pas suffisamment de grains sur le marché actuellement. Et là, on sait très bien qu'il va y avoir un déficit. Donc, pour ce qui est des huiles, les huiles de soya, c'est le Brésil, c'est l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, il y a des sécheresses. Tournesol, c'est l'Ukraine. Pour le canola, c'est les États-Unis et le Canada. Et l'huile de palme. L'huile de palme, ben on parle de l'Asie, Indonésie, Malaisie. Donc ça, c'est, on appelle ça les produits de base qui servent à peu près à n'importe quelle sauce. Ouais, Est-ce qu'on a d'autres absolument. produits semblables à ça qui affectent une grande portion des produits agroalimentaires qu'on produit? Ben, l'autre ingrédient qui m'inquiète, franchement, là, André, c'est le sucre. Parce que là, Okay. l'Inde aussi a émis un embargo. L'Inde est un grand producteur de sucre. Et malheureusement, l'Inde, a émis un embargo récemment. C'est pour ça que le protectionnisme nationaliste qu'on voit un peu partout dans le monde inquiète beaucoup de monde, là, parce que ça veut donc dire que les acheteurs ont accès à moins de quoi que ce soit. Et on parle d'ingrédients de base, on a parlé d'huile, le sucre, il va y avoir d'autres choses aussi. C'est pas terminé là encore. Et Dans plus le qu'on va blé, voir ces annonces-là, plus ça va être difficile à obtenir ces ingrédients-là. est-ce que le blé fait partie de cette gamme-là? Ben, le blé, c'est un grand produit pour ce qui est de la fabrication de toutes sortes de produits qu'on fabrique, comme le pain, bien sûr, les pâtes alimentaires. Puis il faut comprendre que le blé est la base diététique pour plusieurs régions au Moyen-Orient, en Afrique aussi. Puis il va en manquer. Il va en manquer. Puis il faut comprendre là, que les gens là, dans ces régions-là vont dépenser 30-40 % de leur budget sur de la nourriture. Et puis, ils ne vont pas nécessairement consommer de la viande, mais ils vont consommer du blé. Le blé, nous, en Amérique du Nord, on est assez chanceux. On a beaucoup de variétés. On a les fibres. On a les protéines, puis pour ce qui est des protéines, la protéine animale prend beaucoup de place. Poulet, porc, bœuf. Mais dans des régions où c'est plus pauvre, où ce qu'on ne peut pas entreposer des calories parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'infrastructure, malheureusement, c'est le blé là, qui est vraiment le gros morceau pour eux, là. Il va y en manquer en raison de. Parce que 25 % des exportations mondiales provient de l'Ukraine et de la Russie. Des productions. L'Ukraine va moins produire cette année et la Russie, ben, il y a des sanctions parce qu'il ne faut pas oublier les sanctions. Les sanctions vont affecter la sécurité alimentaire du monde aussi parce que la Russie a des réserves, la Russie produit beaucoup, mais elle ne peut pas vendre à personne et c'est là que la Chine rentre en ligne de compte. Qu'est-ce que la Chine va faire? La Chine a 60 % des réserves mondiales de grains. Qu'est-ce que la Chine va faire? Et personne ne le sait. Mais donc, à ce moment-là, on parle de géopolitique à ce moment-là. Oh, C'est carrément ça qui va se produire. C'est la géopolitique, pas nécessaire d'avoir juste une guerre avec des bombes puis avec des carabines. La géopolitique fait en sorte que tu n'es pas capable ou tu n'approvisionnes pas du monde. J'écoutais, c'est aujourd'hui, les démarches de l'Afrique qui vont avoir Poutine, le président Poutine, Ouais. pour dire, ben regarde là, nous on est avec toi là. Parce qu'on a faim. Puis quand on Ouais. regarde aussi les pays européens qui se disent, ah oh ben oui, mais là, nous, on est pour l'Ukraine, mais autour de ça grenouille pas mal. Tu sais, il y a un moment donné, Le ça président Poutine là, a vraiment décidé. En février, on ne le savait pas, là. Personne ne le savait. Moi, j'ai été surpris que le Kremlin décide d'envahir l'Ukraine. Surpris et extrêmement déçu, craintif, etc. Mais vraiment, avec l'évolution du conflit, moi, j'arrive à la conclusion que M. Poutine veut véritablement utiliser la nourriture
comme arme. Comme arme. Oh, ouais. Si on regarde, en parlant de pénurie et tout ça, si on regardait, advenant qu'il n'y avait pas de guerre, juste l'effet de la pandémie qu'on a vécu durant 2 ans, là, on était 2 ans confinés, et encore, on parle de la Chine, qui est certains grands secteurs de la Chine sont encore confinés. Est-ce que ça aussi, juste ça, là, est-ce que ça justifierait une inflation? Absolument. Dès qu'on crée une rareté, là, ça complique les choses, c'est sûr. Mais moi, ce que je trouve un peu décevant en Amérique du Nord, c'est qu'on voit des deux côtés de la frontière, là, à Ottawa et à Washington, on voit que deux gouvernements qui sont un peu déconnectés de ce qui se passe. Nous, on voit, il y a une crise alimentaire qui se développe là, actuellement, là, vraiment, puis le pire s'en vient. Là, ça va être en septembre, octobre. Mais du côté d'Ottawa, on n'a appliqué aucune mesure pour permettre aux producteurs agricoles d'avoir accès à des engrais moins chers, à de l'essence moins chère. Il y a une taxe de carbone qui est appliquée sur ces produits-là. Les producteurs agricoles actuellement doivent payer un tarif de 35 % sur les engrais qui arrivent de la Russie. Géopolitique. Donc, et on peut comprendre pourquoi il y a des tarifs sur ces produits-là, parce qu'on a émis des sanctions contre la Russie, mais on parle de sécurité alimentaire. Et les engrais, c'est vraiment ce qui est le plus important pour un producteur pour produire plus. Rien n'a été fait à Ottawa. Du côté américain, on a décidé récemment d'étendre le mandat éthanol. Habituellement, l'éthanol ne se vend pas l'été pour diminuer, en fait, l'utilisation de maïs. Mais le président Biden a décidé d'étendre le mandat éthanol et de permettre d'avoir plus de maïs à être transféré de la filière agroalimentaire à la filière énergétique. Là, on parle d'à peu près 39 à 40 % de la production américaine de maïs sacrifiée pour permettre aux Américains d'avoir un gaz moins cher. D'un autre côté, tu crées les pénuries de bord. C'est ça. C'est pour ça que. C'est sûr que l'Amérique du Nord n'a pas. Le Canada aussi, on n'a pas été. Notre territoire. On était chanceux, on n'a pas vu de guerre sur notre territoire depuis très longtemps, tandis que l'Europe a vécu la guerre, a vécu la famine durant la Première et Deuxième Guerre mondiale, etc. Il y a beaucoup de conflits en Europe, puis on connaît l'effet de famine, l'effet d'une guerre, de conflit, mais je ne suis pas convaincu, André, franchement, qu'en Amérique du Nord, on comprend, on saisit bien ce qui se passe réellement là, actuellement. Moi, je pense que les gouvernements le comprennent. Je suis certain de ça. Est-ce qu'ils sont capables de réagir? Est-ce qu'ils sont capables de faire quelque chose? Ça, c'est une autre question. Mais il y a tellement de monde qui ont des grandes connaissances, comme toi, tu as des grandes connaissances, puis tu discutes avec ces gens-là. C'est impossible qu'ils ne comprennent pas. Avoir la volonté de faire quelque chose, ça, c'est une autre histoire. Puis là, on parle d'éthique. Là, on dit tantôt, on parlait d'éthique entre les grandes compagnies, les grands trusts, mais il y a aussi une éthique au niveau du gouvernement et entre les différents ministères. Et ça, là, ça va le bas, là. Je voulais être poli, je pense que vous avez raison, André. Je pense qu'il saisit peut-être un peu ce qui se passe, mais il n'y a pas de volonté politique à faire quoi que ce soit pour des raisons purement politique, là, c'est sûr, mais en bout de ligne, on parle de vie, on parle de mort, on parle de bien-être, on parle de... Puis éventuellement, ça nous rattrape, c'est en train de nous rattraper aussi là, au Canada. Donc, c'est pour ça que moi, je suis extrêmement inquiète là, de ce qui se passe, vraiment, parce que je regarde les chiffres, je regarde les rapports qui sortent de l'ONU, de la FAO, de la Banque mondiale, il n'y a rien de bon là, actuellement. Rien. Il n'y a rien pour nous rassurer. C'est pas encourageant trop. Non. Puis le dernier point avant d'aller plus loin du côté insécurité de la population, ouais, que tu vas présenter tantôt, ouais, il y a un facteur qui est très, très important au niveau mondial, c'est tout ce qui s'appelle le transport. Transport par bateau.
Le foutu container qui coûtait 2 500 $. Moi, je me souviens quand j'achetais des containers, 2 500 $, 3 000 $, c'est rendu à 25 000, 30 000, puis ça continue. Puis non seulement ça, je pense qu'il y a un autre problème, c'est pas, tu ne sais pas quand tu vas l'avoir. Non, c'est ça, exactement. Donc, là, tu attends un chargement de nourriture, mais tu ne sais pas si tu vas l'avoir, puis quand tu vas l'avoir. Oui. Ben, en fait, on parlait plutôt de déséquilibre économique à travers le monde. C'est un peu ça. Il y avait beaucoup de containers en Asie, il n'y en avait pas ici. Vraiment, ça, tout est désynchronisé finalement. Et c'est pour ça que les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. De transporter quoi que ce soit sur l'eau ou sur la terre, ça coûte pas mal plus cher qu'avant. Puis on ne voit pas comment que les coûts vont diminuer de sitôt. C'est ça qui était peurant parce que, on parle de la pandémie qui va terminer ou qui va se terminer ou qui termine, mais c'est pas ça, là. Ça va prendre beaucoup de temps avant que tout ça se recalibre comme il faut. Effectivement. Ouais. Alors, je sais pas si vous permettez, je devrais introduire docteur Dauphin. C'est le temps, hein? Oui. Donc, j'aimerais ça introduire le docteur Marc Dauphin. Que malheureusement, je n'ai jamais rencontré, mais que j'ai rencontré justement la session. Alors, bonjour, docteur Dauphin. Docteur Charlebois, bonsoir. Bonsoir, oui, effectivement. Alors, vous avez écouté notre conversation sur la crise alimentaire. Je ne sais pas vous, mais moi, je parle à beaucoup de gens qui sont anxieux. Il y a des journalistes qui m'appellent pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe aussi. On ne sait pas ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et de plus en plus, là, il y a des gens qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts, ce qui amène des gens à être beaucoup plus anxieux qu'auparavant. Ça va être une année relativement difficile, 2022, malheureusement. Alors, vous, là, comment vous voyez tout ça? Bien, je ne suis pas un spécialiste en santé mentale. Par contre, pour moi, anxieux, c'est, supposons que vous en allez sur un chemin, puis qu'il y a un pitbull qui sort d'une résidence, puis qui s'en vient vers vous avec la gueule ouverte, etc. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la peur, parce qu'il y a une raison pour se sentir comme ça. Si vous êtes assis chez vous, dans votre salon, puis tout va bien, puis que vous vous sentez comme si un pitbull vous attaquait, ça, c'est de l'anxiété. Et ça, c'est pathologique, ça. Il faut essayer de se débarrasser de ça. Je pense que les gens qui arrivent de moins en moins à joindre les deux bouts, ils ne souffrent pas d'anxiété, ils souffrent de peur. Ça peut engendrer de l'anxiété, c'est-à-dire empêcher le sommeil, etc. Mais effectivement, une autre chose que je ne sais pas si vous avez adressé, j'ai manqué les 5 à 10 premières minutes de votre présentation. C'est la quantité d'argent en circulation. Quand j'ai regardé les... Non, on n'en a pas parlé de ça. Okay. Non. Quand j'ai regardé les projets de loi que M. Biden essayait de faire passer, là, de 1,9 trilliard de dollars, ce qui est des billions en français, mais en tout cas, c'est 1900 milliards de dollars empruntés. Donc, c'est de l'argent nouveau qu'on met en circulation. Quand je vois ce que M. Trudeau fait depuis son élection en 2015, c'est-à-dire emprunter sur l'avenir puis saupoudrer un peu partout dans la société, ce que ça fait, c'est que ça met plus d'argent en circulation. Et plus vous avez d'un produit en circulation, moins il y a de la valeur. Ça, c'est une partie de l'inflation à l'heure actuelle. Sans compter tout ce que vous avez décrit, là, qui était parfait. J'ai adoré vous écouter la guerre en Russie avec les produits de base qui sont les céréales, etc. L'huile, qui est une chose à laquelle je m'intéressais justement à cause de l'huile de palme qui n'est pas très populaire parmi les écologistes surtout en Indonésie et en Malaisie où on coupe des forêts à ras et puis on fait fuir les orang-outans. Qui sont des bêtes magnifiques. Mais bon, alors tout ça, ce que j'en pense, je pense que c'est une partie de ce qui s'en vient. Effectivement, vous avez raison, Dr. Charlebois. Je vois aussi s'en venir une récession.
Parce que lorsque vous avez ce qu'on appelle une stagflation, ce qu'on a eu dans les années 70 à 80, là, une stagnation économique avec de l'inflation, je pense que ça va prendre un remède de cheval. Et à l'heure actuelle, les banques fédérales, là, autant l'américaine que la Banque du Canada, n'osent pas administrer le remède de cheval de peur de créer pire que ce qu'il y a présentement. Je pense que vous avez raison, l'année 2022 ne sera pas belle. Mmh. Quand on s'est dit au début de l'année 2020, et mon Dieu, que ça va être l'enfer, effectivement, ce fut l'enfer. Là, 2021 est arrivé, on dit enfin, 2020 est passé. Ben, 2021 était pire que 2020. Puis là, 2022, ça s'avère pire que 2021 et 2020. C'est ça. Donc, le 2020-2021 ont été des années d'entraînement pour 2022, on dirait. Hein? C'est, effectivement. Mais ce qui est vraiment particulier, puis pour ce qui est de. J'accepte bien votre commentaire sur la récession. Il y a des économistes qui croient que oui, on s'en va vers une récession. Il y a des économistes qui pensent que non. Parce qu'il y a le plein emploi, hein, ce qui est quand même particulier. Normalement, en récession, il y a vraiment un manque d'emploi, ce qui est contrat actuellement. Là. Alors, ça, c'est. Mais c'est certain qu'on ne souhaite pas une récession, mais c'est sûr que il y a beaucoup de secteurs qui ralentissent, là, ça, c'est clair, et de façon brutale. L'aspect que j'aimerais vous entendre, c'est l'aspect inconnu et invisible de l'économie. Hein, parce que là, on entend toutes sortes de manchettes. Les gens absorbent, les gens consomment l'information. Ça nourrit la peur, ça, j'imagine. Hein? Ça nourrit la peur, ça nourrit l'incertitude. Et vous avez deux catégories de personnes. Moi, je fais partie de la deuxième. La deuxième catégorie, là, on a parlé des gens qui sont actifs, qui ont un travail, qui arrivent un revenu, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont en train d'élever leur famille. Il ne faut pas oublier les gens, les personnes plus âgées aussi, qui ont épargné toute leur vie pour mettre un petit 6 000 $ dans leur REER de côté. Et là, ils ont 100 000 $ de côté. Et si vous avez une inflation à 10 %, ben leur 100 000 $, il en vaut 90 000 demain matin. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, vous allez avoir des problèmes de santé mentale, effectivement, suite à ça. Les gens qui avaient déjà des problèmes avant, puis là, vous rajoutez l'inflation, vous rajoutez l'insuffisance de revenus ou le trop cher des produits de consommation, ça peut les faire passer de l'autre côté de la clôture. Et déjà, on a un système de santé qui est épuisé par la COVID. On a un système de santé mentale qui n'a jamais été très, très fort au Québec. Au Québec, en santé mentale, quand j'ai arrêté, écoutez, ça fait 10 ans, plus que 10 ans que j'ai quitté pour les forces armées, ça prenait 2 ans et plus pour une consultation en psychiatrie non urgente. Alors, j'avais des patients qui étaient en dépression, qui avaient des maladies mentales que je n'arrivais pas parce que moi, je suis un urgentologue, un médecin de famille. Alors, je n'arrivais pas à circonscrire exactement c'était quoi, parce que je ne suis pas un psychiatre. Et là, je me disais, je manque quelque chose, puis je demande une consultation en psychiatrie. Et là, la compagnie d'assurance salaire, elle embarque sur le dos, puis elle dit, écoute, docteur Dauphin, là, on ne truste pas tes compétences pour prendre soin de ce patient-là. Je dis, c'est pour ça que j'ai demandé une consultation en psychiatrie. Et je l'ai demandé il y a un an, nous avons encore de 12 à 15 à 18 mois à attendre encore. Et est-ce que mon patient va s'empirer? Des séances de psychologie, c'est au privé que ça se fait. Il n'y a pas de psychologue, ou il y en a très, très peu, qui sont payés par la carte d'assurance maladie. C'est 100 $ de la session, 10 sessions, vous venez de flamber un 1 000 $. Alors, la santé mentale au Québec, c'est pas très fort. Si vous êtes dans les forces armées... Est-ce que la situation s'améliore un peu, docteur? Pas que j'ai vu. Hein? On a promis des budgets supplémentaires. Mais qui vous allez embaucher? On manque de psychiatres. Ouais. Les psychologues sont à l'heure actuelle à peu près saturés. Qui vous allez embaucher?
Ouais, non, c'est ça, effectivement. C'est un gros problème. Mais donc, les gens sont vraiment mal outillés, sont mal appuyés pour passer Présentement, à oui. travers ce qui se passe actuellement, là. De façon générale, c'est ça votre conclusion, là. Il y a beaucoup d'éléments pour faire peur. L'inflation, combien va durer de temps, le remède à l'inflation, qui est l'augmentation brutale des taux d'intérêt, les augmentations de salaire qui suivent pas l'inflation présentement, parce que les gens ne sont jamais passés par là. Il y a juste les vieux comme moi qui se rappellent de ce que c'était dans les années 70. Ouais. Alors, ensuite, la guerre en Ukraine peut provoquer effectivement des famines, mais du point de vue militaire, elle peut escalader, là. Ouais, non, absolument. Alors, Alors, je on pense dit. que c'est le temps, docteur Dauphin, c'est le temps de peut-être présenter notre troisième intervenant, si vous Oui. voulez. Je voudrais présenter Martin Laferrière-Simard, qui est un travailleur social qui a servi dans les forces armées et qui sert encore dans les forces armées, qui a même servi outre-mer dans les forces armées un certain nombre d'années dans nos bases en Europe. Alors, bonsoir, monsieur Laferrière-Simard. Parlez-moi donc des gens que vous voyez, vous, là, en clinique, là. Oui. Alors, effectivement, le temps d'attente est extrêmement long. Effectivement, en psychologue, il n'y a pas assez de psychiatres, mais en santé mentale, au Québec comme au Canada, le plus gros des la charge revient aux travailleurs sociaux. C'est nous qui absorbons les coûts le plus qu'on peut, mais il manque également énormément de travailleurs sociaux dans nos systèmes de santé. Quand on parle de santé mentale en lien avec l'inflation, puis on en parlait aussi en lien avec la pandémie il n'y a pas longtemps. Ce qui est important de voir, puis pour avoir une espèce de contexte d'analyse, là, c'est de regarder les déterminants sociaux de la santé. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est ça qui vient le plus être affecté. Puis c'est ça qui, en train de fond, d'un point de vue macro, vient générer plus, au niveau individuel, de problèmes de santé mentale. Donc, si on cherche à regarder la pandémie puis l'inflation par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire la santé mentale individuelle, on pourrait rater notre cible. Si on le regarde du point de vue des déterminants sociaux de la santé, on risque de comprendre un peu comment faire pour aider l'ensemble de la population. Donc, dans les déterminants sociaux de la santé, quand je dis ça, là, parle de Oui. capacité à s'instruire. On parle de développement des jeunes enfants, on parle d'insécurité ou de sécurité alimentaire, de sécurité ou d'insécurité du logement. Ce genre de choses-là qui ont l'air tout à fait d'être des problèmes sociaux macro, mais qui ont un impact direct sur la santé mentale des individus que je vois et que les gens en santé mentale voient dans les bureaux. Donc, on sait que l'insécurité alimentaire, parce qu'on parle de 25% de la population juste à Montréal qui est en difficultés économiques précaires, une situation économique précaire, et 17% des Montréalais qui sont en insécurité alimentaire. Et le logement? Et le logement, effectivement. Donc, on parle que 17% des Montréalais, je donne juste cet exemple-là parce que je le disais là-dessus ce matin, après avoir payé leur loyer, ont énormément de misère à se vêtir, se alimenter. Déjà, et là, on parle de pré-inflation. Donc, on sait que ça augmente. Alors, on sait que ça va avoir des impacts sur l'obésité au niveau de la santé, sur des maladies cardiovasculaires, de l'asthme, des obstructions chroniques au niveau des poumons, la mortalité prématurée. Ça, on le sait du côté de la santé physique. Mais il y a aussi des effets importants à moyen puis à long terme. Puis je pense que les gens en général en ont entendu parler dans les médias lors des problèmes avec la pandémie, dont on n'est pas sorti malheureusement. Je donne juste un exemple ici, les enfants, le développement des enfants. Ben c'est sûr que si on a des adultes en situation économique précaire, ben ça se peut qu'on ait une augmentation des logements insalubres. Ça se peut qu'on ait une augmentation des problèmes de maladies physiques. Qu'on ait une difficulté à concilier travail-famille un petit peu plus. Si on a de la misère à joindre les deux bouts, il faut qu'on travaille plus, on est moins présent à la maison, on a moins de temps pour faire ou pour servir l'instruction. Donc, ce qu'on voit dans des situations de précarité économique, et là, c'est ce qu'on va voir encore plus,
parce que la pandémie s'ajoute l'inflation. Dans mon cas, puis je vais vous dire pourquoi plus tard, c'est un effet cumulatif clair. Il y a une plus grosse prévalence de violences familiales. Donc, oui, ça vient perturber l'ensemble de la famille, mais les enfants, entre 0 et 6 ans, hein, François Zolto nous le disait dans les années 70, entre 0 et 6 ans, le cerveau va se former, et s'il y a de la violence familiale, de la négligence, de la maltraitance ou des abus sexuels, l'impact n'est pas juste à court terme, l'impact est sur la durée de vie de la personne. Il y a effectivement des effets chroniques qui se font sentir. Donc, les contre-coups de ça vont se faire sentir sur le long terme. Et combien de personnes qu'on a vues, qu'on passe en entrevue à l'âge adulte et qui s'aperçoivent que leur jeunesse, des événements qu'ils ont peut-être réprimés, comment ça a affecté leur développement? Et que dire, Martin, je me permets de vous appeler par votre prénom, que dire de ces deux années passées par les enfants sans contact social à l'école? Exact. En fait, la pandémie nous place dans une position extrêmement fragile pour faire face à l'inflation parce que pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont plutôt seules socialement, ça a été extrêmement dur la pandémie parce que, on le sait, le lien d'attachement qui est social a aussi un lien avec l'attachement qui est psychologique. Et dans notre façon de nous relier aux autres, lorsqu'on était jeune, entre 0 et 6 ans, on a développé un style d'attachement. Et ce style-là, on le reproduit toute notre vie. Donc, si en plus d'avoir un style d'attachement qui, par exemple, serait insécure, on est insécure dans notre attachement à l'autre, en plus, on ajoute la pandémie, on a de la misère au niveau de notre personnalité à composer avec des défis supplémentaires. Puis en plus, là, on va ajouter de l'inflation qui va ajouter un stress additionnel. Donc, effectivement, on n'est pas en position idéale pour faire face à ça. Mais contrairement à vous, ou bien disons, pour ajouter un petit peu à ce que vous disiez, Dr Dauphin, moi, je suis relativement positif face à ça, malgré tout, comme travailleur social, puisque dans les sociétés occidentales, on a vu dans le passé des grandes crises économiques où les gens ont beaucoup souffert, c'est vrai, mais où il y a des nouvelles solidarités qui ont été développées. Puis vraiment, la clé, puis là, ceux qui nous écoutent peuvent en être témoins, la clé, c'est la solidarité sociale, la mobilisation des ressources individuelles et collectives. Donc, je pense qu'on va être forcé de le faire, mais il va y avoir une transition. C'est cette transition-là qui va être difficile, mais ça pourrait donner lieu à plus de solidarité, plus de soutien social collectif. Alors, j'adore votre message. Je me cherchais un commentaire ou une question à vous poser en voulant dire « Wow, la tempête du siècle qui s'en vient. On est déjà dans un orage et puis là, on va avoir une tempête par-dessus. » Effectivement, l'augmentation de la solidarité sociale, c'est quelque chose qui va être développé de plus en plus. Je suis 100% d'accord avec vous, Martin. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a présentement chez nos proches, chez les gens qui sont autour de nous, qu'on voit tous les jours, est-ce qu'il y a des signes et des symptômes particuliers à rechercher pour éviter que la situation empire? Oui. Oui. Bien, c'est. Je dirais que si on parle de santé mentale, on parlerait de symptômes. Puis si on est, nous, un observateur un peu de notre environnement social, on cherche des indicateurs. Hein? Qu'est-ce qui indique qu'une personne va bien ou pas bien? Bien, le sens commun va nous dire que la personne elle n'agit pas de la même façon. Bien, le sens commun est bon. On cherche des changements de comportement. C'est ça qu'on cherche chez les personnes. Puis aussi, si on veut avoir un œil plus aiguisé, parce que les gens ne nous diront pas qu'ils ont des problèmes d'argent la majorité du temps. Parce que ceux qui ont des problèmes d'argent ont honte. Et personne ne veut activer la honte. On ne veut pas l'activer pour nous-mêmes, puis on aimerait ne pas l'activer chez les autres. Donc, c'est souvent des thèmes qui ne sortent pas, qui restent camouflés pendant longtemps. Donc, on cherche la pointe du iceberg. La petite pointe du iceberg, c'est des changements de comportement. Puis, avec l'œil aiguisé, recherchez les populations autour de vous qui sont les plus fragiles. Les familles monoparentales, avec un seul revenu. Les familles divorcées ou celles qui sont dans les forces armées canadiennes en restriction imposée,
distancé, beaucoup de coordination logistique pour la gestion familiale, de distance à parcourir. Nos réservistes, hein, qui ont des qui volent de contrats de classe A à classe B, hein, qui vont avoir de la misère à joindre les deux bouts entre les deux, des fois. Puis les familles qui ont déjà des problèmes psychosociaux, des abus de drogue, d'alcool, des jeux d'hasard. Donc, cette population-là, elle est déjà fragilisée. Et ce qu'on a vu dans la pandémie, puis je vous le dis parce que c'est identique selon moi, l'hypothèse que je fais, c'est que c'est identique pour l'inflation, c'est qu'au départ, on ne voit rien. Bizarrement, santé mentale, on ne voit presque rien. Puis tout le monde nous dit, on entend les médias, ça panique, tout le monde nous dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe en santé mentale? Est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est gros? Puis nous, en santé mentale, on dit, ben oui, on voit un peu les effets, mais ce qu'on voit au départ, c'est sur les clients qu'on avait déjà ou qui avaient récemment quitté nos services, ils vont avoir tendance à revenir, puis avec ce cumul de stress-là, ils vont revenir et là, on va reprendre sur des problèmes qui ont déjà eu de la difficulté à gérer en plus de la pandémie. Et là, je pense que ça va être la même chose pour l'inflation. Les gens qui ont quitté et qui vont revenir pour des raisons de problèmes anxieux, de problèmes dépressifs et autres. Ça va être aussi des problèmes de consommation, etc. OK? Mais là, quand ça, si ça s'inscrit dans la durée, puis j'entendais tout à l'heure là, que là, on est à la période numéro 1, là, quand on va être à la période 2 puis à la période 3 dans le match, là, bien, c'est là qu'on va. Là, ça va sortir de façon beaucoup plus claire. Et là, on va voir des familles qui, habituellement, ne sont pas connues des services de santé mentale et qui, là, vont consulter et ils vont consulter en crise. Parce qu'ils vont avoir attendu le plus longtemps possible pour éliminer la honte. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on veut voir, Dr Dauphin, dans les changements de comportement? Plus irritable, plus anxieux, plus dépressif, plus de retrait social, hein, plus de consommation. C'est ce genre de choses-là. Plus de difficultés de couple, plus de difficultés dans la gestion parentale, dans la façon dont on éduque les enfants. C'est ce genre d'indicateur-là que vous devez aller voir dans vos environnements pour mieux identifier. Excellente réponse, Martin. Je vous remercie. Je vous demanderais une précision. Je sais que je ne suis pas très ferré au point de vue clinique là, en santé mentale. Les urgentologues, on est là pour mettre des lignes puis réparer des ci puis des ça. Est-ce que vous avez entendu mon intervention tout à l'heure sur la peur et l'anxiété? Oui. Est-ce que vous pourriez commenter, s'il vous plaît, éclaircir, peut-être développer ce que j'ai dit, parce que je suis tellement primitif là, dans mes connaissances que j'aimerais ça qu'un spécialiste là-dedans. Non, mais votre commentaire est tout à fait pertinent. L'anxiété, on va en parler lorsque le stress va causer un problème au fonctionnement de l'individu. Donc, effectivement, on voit un lion, il veut nous attaquer, j'ai peur, réaction fondamentale dans le cerveau, court ou attaque ou fait le mort. Ça, c'est clair. Par contre, là, la pandémie frappe, j'ai pas assez d'argent ce mois-ci, c'est concret, là. Est-ce que je meurs? Est-ce que je suis en situation critique de décès? La majorité des gens vont dire, ben oui, c'est sûr que là, je suis en situation très difficile, très dangereuse. Ils ont en partie raison et en partie pas raison. Donc, il y a des ressources, il n'y en a pas plein, il en manque, mais il y en a, il y a de la solidarité sociale. Par contre, une chose que je voudrais dire, c'est que quand on parle d'essayer de gérer son anxiété, on parle de deux choses. Est-ce que ce qui me menace est réel? Est-ce que c'est factuel? On peut dire oui, c'est assez factuel. Donc, dans ce cas-là, c'est une peur parce que c'est un fait que je n'arrive pas à la fin du mois et que je ne peux pas nourrir mes enfants. Est-ce que le fait d'augmenter ma préoccupation concernant cette difficulté-là me permet de régler le problème? Et est-ce que c'est utile que je panique maintenant? C'est cette deuxième question-là qui est la bonne, là où on va dire, OK, je vais tenter par tous les moyens possibles, si mon esprit le permet, de maîtriser l'anxiété, parce que ce n'est pas utile de générer
une réponse de stress trop élevée parce que mon efficacité diminue au lieu d'augmenter. Donc, la peur, OK, qu'est-ce qu'on fait? Panique va nous amener plus trop dans le déclin, dans la dépression, dans les troubles paniques, etc. Donc, c'est pas là qu'on veut aller. Donc, différencier anxiété et peur, c'est là que ça va se jouer. Et comment survivre, comment poser les gestes qui vont nous aider à survivre. Des ressources gouvernementales, est-ce qu'il y en a énormément? Il y a des ressources gouvernementales, puis il y a des organismes à but non lucratif autour de nous. Quand on a un bon revenu, on ne s'en rend pas compte. Quand on commence à avoir plus de misère avec notre revenu, c'est là qu'on apparaît là, un petit peu plus quand on est capable de faire de la recherche, parce que justement, on n'est pas dans un état de panique, qu'apparaissent certaines ressources. Au Québec, parce que je dis ça parce que là, on parle en étant français, puis que ça s'adresse à plusieurs francophones, il y a l'équivalent au Canada. Il y a le groupe de l'ACEF, l'Association coopérative pour l'économie familiale. Il y en a dans chaque région du Québec. Ça, c'est un organisme non gouvernemental qui est financé par l'État en partie. Ils sont excellents pour la gestion du budget, la l'aide pour structurer son épicerie, tous les trucs d'économie familiale là, que nos mères, nos grand-mères, puis là, maintenant, nos pères et nos collègues ont eu quand ils étaient plus jeunes, bien, c'est là qu'on les retrouve avec certains spécialistes autour de ça. Donc, ça, c'est des gens qui peuvent vous aider. Les banques alimentaires du Québec, 600 000 personnes chaque mois qui sont nourries, sont en augmentation, on l'a dit tantôt. Il y a des sites pour ça, vous pouvez trouver les plus locaux dans la communauté militaire. La financière, c'est sites. Anciens combattants Canada a aussi des programmes, des services financiers pour des supplément de revenus lorsque nécessaire. C'est pas une manne, mais c'est déjà ça. Et il y a d'autres choses aussi. Il y a les logements militaires qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi la Société d'habitation du Québec, la Société canadienne d'habitation et de logement qui offre des aides pour combler le manque à gagner au niveau du loyer. Bon, puis je pourrais continuer. Puis si ça vous intéresse, je pourrais vous en fournir plus. Il y en a d'autres. Mais il existe des choses. Il ne faut pas paniquer. Il faut s'organiser. Puis quand on est capable de le faire, il faut aller chercher de l'aide. Martin, je pense que cette intervention-là est excellente. Il ne faut pas paniquer, il faut aller chercher de l'aide. Et sur ce, je vous remercie pour toutes vos réponses, qui en tout cas, moi, m'ont éclairé. Là. Et est-ce que maintenant, il y aurait des questions à poser aux gens qui sont sur le panel? Donc, je reviens à la table. La première question qu'on avait, c'est « Croyez-vous que l'inflation ira en augmentant? Est-il possible qu'on voit une récession et quels seront les effets sur la population? » En fait, on en a déjà discuté, Sylvain. Oui. En fait, nous, on pense que ça vaut la peine de revenir là-dessus et de concentrer, si on veut, là. Ben, en fait, c'est l'aspect récession. Il n'y a pas de consensus. Moi, en tout cas, j'espère que ce ne sera pas le cas, là, mais je pense que docteur Dauphin croit que oui. Alors, c'est vraiment difficile à prévoir. Là. Mais c'est sûr que pour ce qui est de l'inflation, l'inflation alimentaire va demeurer un problème pour un bon bout. Là. Et aussi, la question énergétique est là pour rester... Tant qu'il y aurait des conflits, ça va rester. Ça marque le fond, ça. C'est, comme on disait tantôt, il y a la base, et cette base-là, elle est là. Puis c'est pas demain que ça va jouer. Puis même si demain, on disait on est capable de régler, avant de reprendre le cycle, de reprendre la vitesse de croisière, ça prend des mois. Ouais. On a causé une brèche. Puis ça va être long à colmater, ça, cette affaire-là, avant que tout le système mondial se replace. Oui, non, absolument. Non, c'est pas simple à cerner comme scénario, mais effectivement, c'est. On souhaite le mieux, mais moi, j'ai beaucoup aimé les commentaires de Martin. Il y a tellement de programmes qui existent, là, vraiment, là, pour supporter les gens. Là. Donc, avec un peu d'optimisme, je pense qu'on peut passer à travers, effectivement. Ben, je pense que, comme Martin le disait, il s'agit de s'organiser. Oui, absolument.
Ouais. Être capable d'organiser, mais aussi de publiciser qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que quand ça va pas bien, on est tantôt on va écouter une vidéo, mais quand ça va pas bien, on se sent seul, on se retranche, puis il faut être capable d'aller chercher ces gens-là. Martin, lui, sa job, son ouvrage, c'est d'être capable de déceler ces gens-là. Il est sain. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, au Québec, là, j'avance un grand chiffre, là, mais on parle de plusieurs millions de personnes qui sont dans une situation précaire. Et que le gouvernement, bien qu'il connaisse la situation, a de la difficulté à répondre à ça. Pas facile d'organiser ça. Le système qu'on a n'est pas facile à orchestrer. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, mais ça va prendre avant tout des gens. Mais bon, avoir de l'argent, mais si tu n'as pas les gens, si tu n'as pas une structure qui peut porter ça, ça devient excessivement difficile. Mm-hmm. On avait, je pense qu'on avait une question aussi de quelqu'un. Ah, voilà, Caroline. Alors, Caroline, on te laisse la parole. Pose ta question à qui bon, ou à tout le monde, comme tu veux. Mais je sais que tu as déjà quelque chose en tête, alors on te suit. Merci, André. Tout d'abord, merci, messieurs, pour ces excellentes présentations, les unes après les autres. Quand on écoute, on a l'impression qu'on a un nuage noir qui flotte au-dessus de nos têtes avec les informations qui ont été partagées. J'ai beaucoup aimé entendre Martin par rapport au fait que, oui, il y a des solutions et on sent le goût de rassurer les gens à travers les commentaires de M. Charlebois et M. Dauphin. Cela dit, j'aimerais faire des petites suggestions. J'ai été contre-courant à l'époque en étant une maman à temps plein à la maison il y a plusieurs années et volontairement s'est retrouvée avec un faible revenu, si on veut ainsi dire, par rapport à d'autres. Et ça nous amène à innover. Et ma proposition ou ma question est, peut-on retourner à des cours de cuisine? Peut-on retourner à des cours d'économie familiale? Mais easy, simple. Si vous vous rappelez, pendant la pandémie, tout le monde voulait faire du pain. Et moi, j'étais estomaquée, je me suis dit, voyons, pourquoi la rage du pain? Alors, on doit... On a consommé depuis plusieurs années, on avait les capacités, on avait l'engouement et ainsi de suite. Comment ramenons la population? Quelles sont les suggestions que vous pouvez leur faire? Quelque chose de concret, tangible, parce que c'est beau dire aller chercher de l'aide. Les gens ont besoin qu'on leur donne la main pour aller chercher de l'aide. Alors, comment qu'on rend ça facile? Quels cours qu'on peut donner? On n'en donne plus de cours d'économie familiale dans les écoles. On ne donne plus l'art culinaire dans les écoles. L'éducation physique dans les écoles existe encore. L'endorphine et l'adrénaline, comment ça peut aider le conditionnement mental des gens? Qu'est-ce qu'on peut faire concret? Make it simple. La personne a besoin d'aide, n'a pas besoin de consulter 56 affaires. J'ai travaillé sur une table de concertation. Il faut appeler un numéro, 1-800 où? Messieurs, c'est où ça, ce 1-800-là? C'est, ouais. En fait, c'est une très bonne suggestion. La cuisine, c'est ça. Nous, on calcule qu'en moyenne, un ménage a appris à peu près 4 recettes de plus depuis le début de la pandémie, a utilisé 3 ou 4 ingrédients de plus. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont intéressés à de nouvelles cuisines même. Donc, notre littératie alimentaire a augmenté depuis le début de la pandémie, c'est clair. Mais pour venir à votre question, Caroline, c'est qu'il y avait un contexte temporaire durant la pandémie. On croyait qu'on était pour cuisiner, pas pour longtemps. Mais je pense qu'avec la conversation qu'on a ce soir, c'est qu'on invite les gens à peut-être adopter un nouveau style de vie et de s'engager à cuisiner davantage pour peut-être du très long terme, là. Et c'est là, à mon avis, que nos habitudes risquent de changer. Parce que durant la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient du plaisir à faire des galettes polonaises ou du pain de façon très temporaire. Mais je pense qu'il va falloir peut-être adopter un style de vie vraiment beaucoup plus sédentaire qu'auparavant. Une petite proposition.
Vous avez utilisé le terme tous les trois tantôt de, là je le recherche, en société s'entraider. Vous l'avez articulé mieux que ça tantôt, là. Mais les échanges de bouffe. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Otterburn Park, puis moi, je me souviens que quand maman cuisinait quelque chose, elle faisait 5 douzaines, puis il fallait aller porter 1 douzaine aux voisins d'à côté, 1 douzaine à l'autre. Et depuis, ben là, ça, à cause de la COVID, on n'a pas pu le faire, mais à Noël, j'organisais un échange de biscuits. Tout le monde préparait 6 douzaines d'une même sorte, puis on repartait avec 6 douzaines différentes. Alors, c'est ces petits trucs-là que vous avez des contacts, vous avez des réseaux. Quand vous voyez vos patients, quand vous voyez votre monde, on peut-tu leur laisser partir avec une recette facile? Parce que manger, là, c'est important. Beau, bon, pas cher, là, on est capable, mais il faut montrer aux gens comment. Et écouter les oiseaux, puis prendre une bonne marche, là, il faut montrer aux gens que ça, là, ça coûte rien. Et c'est bénéfique pour tous. Avec la prospérité, on a perdu notre sens communautaire, hein, un peu. Avec les années, là, je parle depuis la révolution industrielle. Et moi, j'ai l'impression vraiment que le coup est tellement sévère actuellement que j'ai l'impression que le sens communautaire va revenir un petit peu. Les gens vont vouloir s'entraider, vont vouloir partager, que ce soit des recettes ou... des repas supplémentaires. On le voit déjà, hein? Les gens commencent à se regrouper, commencent à s'organiser un peu dans la volée de Martin avec ses propositions. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'organisent, là. En fait, Martin a raison, excessivement raison dans tout ce qu'on a discuté. Le plus gros défi qu'on a, c'est d'être capable de sortir les gens de la torpeur, les sortir de leur milieu, puis de les amener à réagir un peu à ce que Caroline disait tantôt. Ça, c'est du boulot, ça. Parce que quand les gens sont dans la dèche, quand ils sont dans la misère, c'est rare ceux qui vont lever la main ou le doigt et dire « Hey, moi, je suis au secours, au secours, au secours. » Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'échanges avec ces gens-là pour les amener à un niveau supérieur, les amener aussi à parler avec Martin. Dans certains cas, Martin, il va les détecter, il va les trouver l'indice, puis il va les amener. Mais dans un autre cas, il faut que faut trouver une façon de les réveiller. Et là, j'arrive quand même avec toutes les organisations et tous les systèmes qui existent actuellement au niveau de la santé publique, qui essaient par tous les moyens de ramener le monde. Mais c'est difficile, mais il faut se concerter. Puis moi, je trouve ça positif parce qu'il y a des façons de le faire. Il s'agit de travailler pour y arriver, mais on y arrive. Il y a une question qu'on avait pour entre autres pour Martin. On disait que bon, bien, l'automne et la rentrée scolaire arrivent à grands pas. Hein? Du mot doux, là. Quel sera l'impact sur les familles? Puis là, il est certain que plusieurs auront vraiment des difficultés. Là. Tu sais, l'entrée scolaire coûte très cher. Puis la deuxième affaire, puis je pense que Martin, tu l'as souligné tantôt, le jeune qui s'en va. Qui s'en va à l'école, qui est mal vêtu, qui n'a pas ses livres, qui mange mal. Ça, pour n'importe quel parent qui a de la difficulté à joindre les deux bouts, ça devient une montagne pour eux autres. Ils ont déjà leur montagne, en plus de ça, l'inflation, en plus de ça, arrive toujours quelque chose par-dessus. Alors toi, tu as la chance, je n'appelle pas ça une chance, mais tu as le doigté, probablement, pour être capable de parler avec ces gens-là et dire, regarde, tu n'es pas tout seul, on est capable de travailler avec toi. Comment tu fais ça? Comment tu t'organises ça avec ton monde? Ben, quand on voit qu'il y a des volets dans ma pratique, moi, ma pratique, c'est une pratique surtout en individuel, des fois en couple ou en famille, mais majoritairement en individuel. Quand on voit dans nos cliniques qu'il y a des problématiques communes, comme celles qu'on peut anticiper là, avec la pandémie, pas avec la pandémie, mais avec l'inflation, on va regrouper puis on va faire des groupes de soutien par les pairs. Puis on va faire des groupes psychothérapeutiques ou des groupes d'entraide orientés sur certaines problématiques.
Donc, par exemple, comme Caroline nous en parlait tantôt, si on voit que, il y a des difficultés au niveau de comment on va faire pour rejoindre les deux bouts, ben là, on va faire des groupes d'entraide sur bon, ben, comment on va. Puis on va brancher toutes les ressources. C'est là qu'on va brancher toutes les ressources à aller voir, puis on va se mobiliser. De cette façon-là, on reste plus dans le social, puis dans les conditions matérielles d'existence, puis on va moins dans la honte, puis dans le psychologique. Puis ça permet aux gens de passer à travers un petit peu plus rapidement sans creuser dans leur bobo, là, quand on le fait en groupe. Puis ceux qu'on voit, puis là, c'est là qu'on les détecte, ceux qu'on voit qui ont des difficultés psychologiques vraiment plus marquées, puis qu'il y a des impacts dans le fonctionnement social, ça peut être au niveau du couple ou de la famille, bien là, à ce moment-là, on va proposer de l'intervention individuelle. Puis effectivement, c'est vrai que l'automne, c'est un moment difficile, mais c'est aussi, juste pour le mentionner, là, c'est aussi pour la majorité des familles un moment structurant. Parce que c'est là que les institutions reprennent du service, si on veut. Donc, d'un point de vue du service social, l'école, c'est un facteur de protection. La routine, c'est un facteur de protection. Et puis, en été, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il fait soleil, il fait beau, les gens, la majorité vont avoir on va avoir moins de consultations. Septembre, on est toujours sur le même cruise control qu'en été parce que les gens sont en train de réagir puis ils vont développer des états de crise. Puis en octobre, là, c'est là que ça rentre. Alors, en octobre, novembre, décembre, mai, c'est là aussi qu'on a les institutions qui viennent structurer le système de fonctionnement. Puis c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on est capable d'aller chercher des ressources dans ces systèmes plus organisés-là. Donc moi, je pense qu'encore une fois, avec l'inflation, oui, il va avoir des impacts sur les capacités des individus à payer des familles à payer des frais de scolarité, à s'habiller, à se nourrir avant d'aller à l'école. Mais bon. Évidemment, on n'est pas le gouvernement, là. Mais au moins, on va avoir des éducateurs spécialisés, des professeurs, on va avoir des employeurs qui vont être capables de voir que les choses ne vont pas comme elles vont habituellement et qui pourraient envoyer un signal d'alerte. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation des programmes sociaux dans les écoles, des différents programmes de soutien aux revenus à cause de l'inflation? On l'espère. Sinon, au moins en septembre, je dirais en octobre, novembre, on va être capable de faire le biais des différentes institutions, de venir trouver une solution avant, je vous dirais, parce que c'est ça les courbes habituelles, même avec l'inflation, c'est pas mal sûr que les courbes vont être celles-là. On va risquer de trouver une situation avant février de l'année d'après, parce que pour que les gens puissent vivre leur transition, puis modifier leur comportement, ça prend un bon 3 4 mois habituellement, là. C'est la courbe qu'on voit dans les services sociaux et de santé mentale. Excellent. Excellent. On avait aussi une autre question. Est-ce que je pense que c'est Pierre qui avait une question? Attendez, il va tontir quelque part. Attendez une minute. Il y en avait une question là, sur l'écran, André. Ouais. OK, ben dans ce cas-là, bon, si Pierre arrive, parce que là, il n'est plus là, là. Donc, on va aller tout simplement avec l'autre question. Tantôt, on parlait de l'augmentation des prix. Donc, l'augmentation du prix de l'essence et des aliments suite à des vacances prises malgré tout. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a beaucoup de monde qui ont décidé quand même d'aller en vacances parce que la pandémie et le confinement durant 2 ans de temps, en fait, que les gens disent, hey, il faut que je sorte de là, là. Ouais. C'est un besoin, là. Peu importe ce qui va se passer, il faut que je fasse quelque chose. Les avions sont pleins. Ouais. Non, c'est un fait. Puis là, les gens disent, aïe, aïe, tabarnouche. Puis aujourd'hui, entre autres, le message qui a été envoyé à tout le monde, le prix de l'essence a augmenté à 2,23 $. Et ça, c'est le premier signal. Le deuxième signal, c'était à 2,35 $, peut-être dans 2, 3 semaines, 4 semaines. Là, à chaque fois, on reçoit un coup, hein. C'est un choc en disant, tabarnouche. Mais c'est ça, là, croyez-vous qu'il y aura un réveil brutal au début de l'automne? Une fois, là, tu fais ça, là, tu arrives au début de l'automne, ton petit cochon, il n'a plus d'argent dedans parce que tu l'as dépensé, et même davantage, tu as pris sur ta carte de crédit. Et arrivent les coûts liés à l'automne, donc le côté scolaire. Le côté aussi, ça coûte toujours plus cher l'automne. Ça coûte plus cher l'électricité, ça coûte plus cher dans toutes sortes d'affaires.
Et normalement, la production, il n'y a pas la production, excusez, mais les produits alimentaires coûtent plus cher. Là, on rentre en automne. T'sais, normalement, on se dit, bon, ben, quand l'été, encore là, cet été, on va voir, là. Mais normalement, l'été, les produits alimentaires sont moins chers, devraient être moins chers. Mais on n'est pas là. Alors, pensez-vous qu'on va avoir un réveil brutal? Ben, je pense que Martin a exposé tantôt un peu le cycle qui s'en vient là, pour septembre, octobre, novembre. Je pense qu'on va revoir un peu le même scénario se répéter. Je vais laisser Martin répondre, mais je pense qu'on s'enligne vers ça. Là. Oui, effectivement. Moi, j'ai l'impression que le réveil, d'abord, un réveil, je trouve que c'est un gros mot là, parce qu'il y a des gens, ça dépend de qui on parle. Si les gens sont déjà en situation de précarité, oui, ça va arriver plus vite qu'autrement. Mais ceux qui sont dans la classe moyenne, qui ont réussi à survivre jusqu'à maintenant, puis qui là vont être frappés par l'inflation, j'ai l'impression qu'on ne les verra pas tout de suite. Le réveil va se faire peut-être un petit peu plus tard dans l'automne. Effectivement, là, puis c'est triste, c'est malheureux vraiment. Mais ce sont des gens qui vont arriver pas mal plus en crise puis en urgence vers octobre, même si ça pourrait aller jusqu'à novembre. Ceux qui vont nous arriver déjà en septembre ou vers la fin de l'été, là, c'est ceux qui sont habitués de rentrer dans les services, puis c'est ceux qui sont habitués d'aller chercher de l'aide. Les autres, on ne les verra pas tout de suite. Fait que ça va faire mal. On va regarder ça dans les médias, on regardera si les prédictions sont bonnes, mais ça va faire mal octobre-novembre. D'accord. D'accord. Actuellement, on avait aussi, avec l'accord de Marc, on avait pensé à faire jouer une vidéo que je trouve exceptionnelle. Alors, Marc, tu l'as vu toi aussi, cette vidéo-là, si tu peux commenter. Bon, c'est le colonel Steve Jourdain, qui est un ami, qui fait partie de la bande de vétérans qui se tiennent ensemble via les réseaux sociaux. Alors, il a composé une chanson qui s'appelle « Berceuse » pour, si Chantal peut m'aider, une très jolie chanson et puis très bien réalisée. Le vidéo est excellent. Alors, on peut vous laisser en fait, là-dessus. C'était « Berceuse pour calmer mes démons ». Voilà, c'est surtout pour les militaires qui reviennent avec des démons ou avec la moitié de leur âme seulement. Mais ça peut s'appliquer à toutes les personnes qui ont des problèmes, que ce soit, comme Martin l'a dit, des problèmes de repenser tout le temps à leur budget ou à leur situation ou au logement qui augmente de prix, etc. Alors, comme tu l'as suggéré, André, on peut passer à la vidéo. Moi, je ne sais pas. Bonjour, je suis le colonel à la retraite Steve Jourdain. J'ai pris ma libération des forces canadiennes après 30 ans avec le Royal 22e Régiment. Je suis présentement employé comme directeur associé des services généraux pour les services de bien-être et moral des forces canadiennes. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous présenter la vidéo de ma chanson « Berceuse pour calmer les démons ». Un peu d'histoire sur cette chanson. Je l'ai écrite en fait fin 2015, début 2016 et la chanson avait été utilisée par la 2e division de laquelle je faisais partie dans le cadre de la campagne « Belle, je cause pour la cause ». Puis j'ai été réapproché il n'y a pas si longtemps pour qu'on puisse refaire la chanson « Nouvelle mouture 2022 », une chanson un peu plus inclusive qui touche plusieurs dimensions des santé mentale, de la santé mentale et qui nous rappelle que tout le monde peut avoir des défis côté santé mentale. Les gens que vous allez voir dans la vidéo sont des volontaires, des gens qui ont accepté de participer, qui voulaient partager justement les défis qu'ils ont vécus, qui nous rappellent aussi les valeurs que sont l'empathie, la résilience, la compassion envers les gens qui vivent de telles situations. Encore une fois, ça me fait plaisir de vous présenter Berceuse pour calmer les démons. Sur ce, bonne écoute. «
Ferme tes yeux, écoute ma chanson. C'est ma berceuse, calme tes démons. Tu n'es pas seul, tu as tes côtés. Fie-toi sur moi, je ne laisserai pas tomber. Laisse-moi t'aider, laisse-moi porter, laisse-moi prendre ta charge sur moi. Laisse-moi t'aider, laisse-moi porter, laisse-moi juste t'accompagner. Je sens ta peur, je te sens déchiré. Et prends ma main, je suis là pour t'aider. Dis rien, je serai là pour t'écouter. Dis rien, mais tu peux compter sur moi. Oh, oh, oh. J'ai le cœur qui me saille, crois dans cette misère. Croche-toi, moi, mon frère, je vais tirer l'affaire. Laisse-moi t'aider, laisse-moi porter. Laisse-moi prendre ta charge sur moi. Laisse-moi t'aider, laisse-moi porter. Laisse-moi juste t'accompagner. Ce soir, j'ai toujours gardé espoir. Et revenu de l'enfer, et tu es tiré d'affaire. Laisse-moi t'aider, laisse-moi porter, laisse-moi prendre ta charge sur moi. Laisse-moi t'aider, laisse-moi porter, laisse-moi juste t'accompagner. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi porter, laisse-moi prendre ta charge sur moi. Laisse-moi t'aider, laisse-moi porter, laisse-moi juste t'accompagner. Ferme tes yeux, écoute ma chanson. C'est ma berceuse, pour calmer mes démons.